Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans ce cours de linguistique structuraliste aujourd'hui où nous allons vous présenter une théorie sur la fonction du langage chez le mammifère. J'ai à mes côtés Monsieur Jean-Baptiste des éditions Ravensburger qui vient nous présenter une de ses prochaines nouveautés. Enfin, une de vos prochaines nouveautés, parce que c'est pas toi qui a fait le jeu. Qui a fait ce jeu? Qui a fait ce jeu? Monsieur Baumann, Monsieur Endovon et Monsieur Schmidt. Donc Crazy Worlds avec un look très mass market. Ça se joue à 10 ogles et 30 lumins. Vous allez comprendre le pourquoi de ces lettres un petit peu désordonnées, puisque tu vas nous expliquer tout de suite. C'est un party game, hein, c'est un contrairement party game, ouais. À mon introduction. J'ai cru qu'on allait faire fuir tout le monde. Croyez-moi sincèrement, le Lévi-Strauss, par exemple, a peu de choses à voir avec ce jeu. C'est ça. Encore qu'on pourrait faire un thème Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, c'est bien. Ouais, oui, ouais. Tout à fait. Bon, Crazy World, donc c'est un jeu de lettres, mais un jeu de lettres idiot. Et pour parler d'idiotie, je laisse la parole à monsieur Jean-Baptiste. Je suis désolé. En fait, dans Crazy World, ça va être très simple. On va devoir créer des mots en fonction d'un terme secret qu'on a chacun devant nous. Donc ça, c'est le proto. Du coup, on va chacun recevoir des lettres. Donc, soit tous 6 lettres sous fond bleu foncé, qui sont des consonnes, et 3 lettres sous fond clair. Et tout le monde. Ça, c'est les tiennes, tu les gardes pour toi, les autres, ils se débrouillent. Hein. C'est ça. Chacun va piocher. Chacun va piocher. Ouais, je veux bien que vous me donniez les miens. Et en fait, ce qui est merveilleux dans ce jeu, c'est que pour l'expliquer, il faut le jouer. Bon, bah, on va jouer alors. Tout simplement. 2, 4, 6 consonnes. 6. Et pour moi, 3 voyelles. 2, couleur consonne. Consonne, consonne. Non, toi, tu prends 8, toi. C'est pas d'accord. Un peu plus de choix. Un peu plus de choix. Je sais pas si ça change grand-chose. Non, je crois pas non plus. Bon, on les révèle, c'est ça? Alors, ça, tu peux les révéler. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de ne pas révéler ton thème. Et avec ces lettres que tu viens de piocher, tu vas essayer de faire un mot qui n'existe pas, un néologisme ça, pur. De toute façon, faire un mot qui existe, ça va être compliqué pour moi. Et un mot en rapport avec le thème que tu as en main. Alors, j'ai un thème. Okay. Bah, je vais le dévoiler devant tout le monde. Tra-ta-ta-ta-ta. Ah bah dis donc. Okay. Et quand on a fait tout ça, on va remélanger nos cartes et après j'explique ce qui se passe. L'important c'est que tu fasses un mot qui soit en rapport avec ton thème. Ah, faut que je trouve le nom de quelque chose qui est rapport avec mon thème. Ouais. Faut que ce soit raccord, hein. Alors, ouais. Il n'y a aucune incidence à ce qu'il y ait le plus de mots possible. Absolument pas. Tu peux mettre une lettre si tu veux. D'accord. Tu peux mettre toutes les lettres si tu veux. Tu peux les séparer, créer des espaces, les agencer un peu spécialement. Et une fois que tu as fini, hop, tu tournes le truc. On montre ça. Et si tu veux bien me rendre ta carte thème. Un totem, c'est pas le même ta jeu, carte ça. Thème, on est 4 avec. Moi aussi, totem beaucoup. Ah donc, on n'a peut-être pas présenté en fait. Bonjour. Il en fallait un de plus. Attendez, j'ai pas fini. Je suis le joker. Joker, c'est ça. Voilà. T'as pas fini? Donc, on est 4. J'ai mélangé nos 4 thèmes. Je me sens bête. Pioché. Pourquoi? J'aime beaucoup ton mot. Je sais pas, c'est une espèce de révélation. Vête caillou. D'un seul coup, je découvre que je suis vraiment très bête. Mais non. Vête caillou, c'est parfait. Vête caillou. Non, ah oui, on va le mettre dans le sens. Vête caillou, c'est comme ça. Bah, vous donc, vous autour de la table, nous avons Vête caillou. Gwal el pox. Non, Gwal pox. Non, t'as pas le droit de le prononcer. Ah bon? Non, non, tu ne prononces pas. Tu ne prononces pas ton nom. C'est quoi, toi, tu le prononces? C'est nous qui le prononçons. Parce que c'est un autre joueur. Ah ouais, d'accord, voilà. Ok. C'est un mot, c'est tabou dans ta propre langue. C'est ça. Hey, alors, tu ne dois pas le prononcer. Tu donnes pas. Non, ça se dit pas comme ça, mais alors pas du tout. En fait, tu ne dois pas le prononcer pour ne pas donner d'indication. Donc, le Gwal el pox. Oui, parce que par exemple, si ton thème c'est gâteau chinois, tu fais. T'as un vin de caillon. Voilà. Et ça, c'est un peu de la triche, tu vois. Voilà. C'est exactement. Je viens de comprendre le pourquoi de cette règle. Ça marche. On a un Xixnbrunkru. Non, un je dirais un Svig. Svigbunkru. Un Svigbunkru. Et un Sec. Un Secu. Un Secu. Et parmi ces quatre mots se trouve un hôtel de luxe, quelque chose qui protège des accidents, un parfum de glace. De glace, vanille, frais, chocolat, etc. Tout compris. Un pub irlandais, un vêtement chaud d'hiver,
et un groupe folklorique breton. Oh là 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 là, mais c'est... Et nous avons chacun des cartes votes dans nos mains. Ça me semble assez clair pour ma part. Qui vont de 1 à 6. À moi. Du coup... Regarde si je fais. Tiens, ça c'est pour toi. Voilà. Pas du tout. Ça se passe. Ensuite toi... Oui, ah bah oui. Oh c'est bon. Oh c'est très très bon. Mais oui, bien sûr. Je pense que c'est évident. Moi j'aime bien là, ton Wobble truc Box. Tiens, c'est pour toi. D'accord. Alors oui, toi, c'est un petit peu compliqué, je dirais ça. Et puis alors notre ami. Alors Mops, toi, tu votes pas pour moi, hein, c'est ça? Non, tu votes pas pour toi-même vu que tu sais ce que c'est. Non, ça non. Allez, ah, Mops. Non, attends, rends-moi ma carte. Tiens Mops. C'est John. Tiens Mops. Tiens, c'est pour lui en fait. Et puis toi, du coup, je vais te prendre autre chose. Ouais, si. Je vais te prendre autre chose. Si, c'est très bien, ça. Je vais te prendre autre chose. Tiens, ouais, je vais mettre ça. Et donc, vous l'aurez compris, il faut parier voilà. Pour savoir qui est quoi. Ta-ta-ta. Et on va commencer par moi. Donc, voilà. Le sécu. Le sécu, il y en a qui pensent que ça, c'est quelque chose qui protège des accidents. Ouais, mais c'est carrément sûr, en fait. C'est sûr. Carrément sûr. Mais oui, sécu. Voilà. C'est très, très... Eh bah ouais, il fallait le trouver. Très bien joué. Il fallait le trouver. Alors, le sécu, c'est un gilet de sauvetage qui sert à tout, que tu poses sur toi comme ça, ouais. Et il t'arrive n'importe quoi, genre un mob s'approche pour éviter les accidents. Et hop, il faut que je t'explique quand même que j'avais donné parce que je trouvais que le snoop vous protégeait bien des accidents. J'ai pris ma carte quand j'ai. T'as compris le sécu. Donc, je récupère 3 points parce qu'il y a 3 personnes qui ont trouvé. Dis donc. Chaque personne qui a trouvé récupère 3 points. Bon, alors du coup, je vous indique que le Gwelpox, pour certains, c'est un groupe folklorique breton, mais pour oui. Mops. Le Gwelpox, c'est ça. Mais c'est aussi le cas pour Adam et c'est aussi le cas pour notre ami JB. Et c'était effectivement un groupe folklorique breton. Le Pox, c'est un mélange de Pops. Et de pop et de musique expérimentale. Ah. Donc du coup, c'est de la pox, c'est de la musique la expérimentale. Et ça pux. Ça flux, c'est sur le flux. C'est du sexuel populaire. Gwelpox. Donc du coup, je prends 3 points aussi et je vous donne à chacun un point de plus. Hop. Et Adam, merci. Qu'est-ce qu'était le Zwibnkru? C'est-à-dire que ça a été le plus compliqué pour moi. Tout à fait. Pour moi aussi. Alors... Selon certains, c'est un hôtel de luxe, le Zwibnkru, avec imbattable de 50 euros la nuit. J'imagine. De luxe. Ouais, c'est 50 euros. C'est le Crous. C'est le Crous. En même temps, il est collégien, donc 50 euros pour lui, c'est ça. C'est beaucoup. Pour d'autres, c'est quoi? C'est un vêtement chaud. C'est une sorte de gros pull. Ah, avec un Zwip. Ouais. Exactement. Ah. Et puis le Crou, parce que c'est un petit peu irlandais, finlandais, suédois, danois. Tu sais, comme les mots Ikea. En parlant d'irlandais, pour certains, c'est un pub irlandais. Bah ouais, mais alors c'est quoi en vrai? C'est un pub irlandais. Bah ouais, oh, ouais. Le Zwibnkru, parce qu'il y a un bon crou là, il y a un bon cru, tu vois là. Ah, j'y crois pas. Eh donc bah ça oui. J'ai hésité, j'ai hésité. Oui, ça me fait un point. Un point pour moi aussi. C'est moche. Le point du pauvre. Okay. Bon, et enfin le vet caillou. Le vet caillou. Le vet caillou, comme vous voulez. Le vet caillou. Alors le vet caillou, c'est un parfum de glace. Un vet caillou de boule. Alors, il y a déjà un caillou. Alors, c'est un vêtement chaud d'hiver. Oui, c'est le caillou, quoi. Ça protège comme un caillou. Voilà. Et sinon, le 4, c'est un pub irlandais. Un pub irlandais. Ouais. Alors, comment c'est que c'est un alors, cru quand même. Bah oui, alors, c'est plus le alors, pub irlandais. Alors, le vêtement caillou. Le vêtement caillou, c'est un vêtement caillou. Donc, c'est un vêtement chaud d'hiver. C'est un vêtement chaud d'hiver. Voilà. C'est un vêtement chaud d'hiver. Bien joué pour le rouge. Donc, un point pour Mops et un point pour Jean-Baptiste qui découvre. Et donc, vous avez remarqué que j'ai pas vraiment expliqué la règle. Pas du tout. Et il n'y a rien d'autre à expliquer. Et on s'en fout, en fait. Il n'y a plus qu'à vous changer. Vous savez jouer. Donc, on change les lettres. Donc, c'est on ça va changer les lettres. Ça y est. On va redonner un nouveau thème à chacun. On les fout un petit peu n'importe où, voilà. Comme ça. Mais n'importe où, c'est pas visible quand même. Hein. Ouais. Sinon, on va choisir des E. T'as quand A. même fait carton plein, Jean-Baptiste. Je voudrais pas dire. Ouais. Je suis bon. 3 à 6. Mops, ça n'avait pas eu un 3 points. Ah ben non, parce que tout le monde n'a pas deviné ton... D'accord, ok. Non. Ok.
Pourtant, le levée de cailloux. Oh là là. Ah, moi, c'est juste je vais galérer. Mais ouais. C'est vrai que le vêtement aurait dû me mettre sur la. La... Alors, ouais. On a dit trois voyelles. Mais je veux bien aussi, Jean-Baptiste. Oh, pardon, excuse-moi. Non, non, deux, non. Évidemment, évidemment. Oh, je vais peut-être pas te les prendre à un endroit où elles ont été mal mélangées. Et six consonnes. Alors, voyons voir, découvrons nos petites lettres. D'abord, les voyelles. Merci, Jean-Baptiste. Mais je t'en prie. Voyons voir. On est gentil. Super, super, super. Ah ben, y a des tirages voilà. Moins bien que d'autres. Hein. Alors, il y a des gens qui doivent jouer au Scrabble. Ils font, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas autorisé du tout par la fédération. Alors, et j'ai ça. Eh ben, écoute. Ben oui, forcément. Hein? Ah, le mien est simplement évident. Oh, on peut même faire ça quand même. Hein. C'est bon, ça, c'est très non, bon. C'est si pas je peux mal. Vos cartes thèmes, s'il vous plaît. Carte thème. Voilà. Donc il y a une carte thème par joueur. Finalement, et tu en rajoutes deux. Ouais, bah je manque pas d'air et j'ai un là, peu on de joue à 4, je joue jusqu'à 7. Hein, tu as vu, regarde. Tu peux zoomer sur mon jeu, tu vois. Je manque pas d'air et j'ai un peu de cul quand même. Ça fait fiout, hein. T'as vu, ça fait fiout. Donc. Et c'est ce que je vous propose. Nous avons donc le natal, la natale. Le natal, la natale. Un vozo. Vozo. Un oiseau. Un fiut. Un fiut. Un fiut. Sale petite fiut. Oh, j'ai pas le droit de le prononcer. Et la pizgou. Pizgou, ouais. Pizgou. Et là-dedans, nous avons 2, 4, 6, c'est bon, j'ai bien pris les 6. Nous avons un parc d'attractions. Une spécialité jamaïcaine, une boîte de nuit. La personne à ma gauche est. Je sais ce que c'est. Je n'avais pas vu ça. Et gonflable. D'accord. Bon, allez, d'accord. Bah, allez. Bon, toi, tu as joué la sécurité. Ah ça. Mais alors, pour Mops, j'hésite vraiment. J'hésite vraiment. Je veux savoir s'il m'a traité de quelque chose ou s'il est gonflable, en fait. C'est... Voilà. Allez. Natal. Ouais. Un Vozao. Déjà, c'est pas ça pour ça. Alors, je vais dire ça. Vozao. Ah oui, si, ça pourrait être ça. Donc, je vais lui donner ça. Tiens, Adam, celle-là, elle est pour toi. Donc, du coup, il reste Mops et son Fiut. Fiut. Non, c'est pas. Ça peut pas être une spécialité jamaïcaine. Non. Merci, allez. Merci. Allez, allez. Alors, allez, toi, pique-nique allez, douille, c'est... Et qu'est-ce que c'est toi, je sais pas, douille, c'est pas du tout. 1, 2, 3, ça ne sera pas... Ah, toi, tu me donnes au pif. Exactement. Tu veux vraiment que je gagne pas de points. Super. J'ai presque fait pareil. Pareil. Sinon, on peut la passer dans l'autre sens, si ça marche pas tout aussi bien. Niamagnon. Bon, commence par Guillaume. Natal. Alors, vous pensez, d'après les gens autour de cette table, que Natal, c'est, pour certains, la personne qui est à ma gauche. La personne à ma gauche, Adam. Adam est Natal. En fait, et vous êtes deux. Je suis devant toi qu'à gauche, mais bon. Les deux qui sont ici pensent que Adam est un Natal. Ouais, ça a été Natal un jour. Et Adam, est-ce que tu es Natal d'Orléans? Adam, lui, non. Il pense non. Que c'est une boîte de nuit. Il faut et dire que c'est fait passe... au trou. C'était au hasard. Ah, et ben, vous êtes... Ce soir, on va au Natal. Eh ben non, effectivement, c'était le plus jeune de la bande. Ah, c'est forcément c'est Natal. Ça. C'est le Natal. Le plus petit de la bande, celui qui est né en dernier. C'était tiré par les poils, mais on a compris quand même. Mais on a compris quand même, exactement. Pas du tout. Si, certains ont compris. C'est un truc de vieux, tu peux pas comprendre. C'est un truc de vieux, c'est ça, tu peux pas comprendre. Le natal, cool. Allez. Suivante. Qu'est-ce le oiseau. Alors, le oiseau. Le wozao, je sais pas quoi. Wozao. Alors, s'il y avait eu un volatile ou un machin comme ça, ah bah on c'était dit pour ça. Lui. Hein. C'était le ah, wozao, c'était mais alors là... Ça, c'est wozao ouais. Par contre, j'ai mis... C'est une boîte de nuit. Mais oui. Eh oui. Wozao. Mais non, il a mis boîte wozao. De nuit. Oui, mais c'est pas moi qui ai voté. Mais oui, mais c'est lui qui l'a voté, donc c'est pas la boîte de nuit. Et c'est un plat, une spécialité jamaïcaine. Non, wozao, à base de soie. W, non, c'est une boîte de nuit. Non, c'est une spécialité jamaïcaine. Ah bon. Bah soit tu manges le oiseau. Non c'est pas... n'importe quoi. Un mec, tu vas un oiseau. Avec ça tu vas voler les ailes. Oh,
je veux pas savoir ce que tu manges à la maison Adam, laisse tomber. Ok, donc ça vous fait du coup un point pour le mob, c'est un point pour Adam. Tu prends la poule dans la ferme, tu la fais quoi, c'est le oiseau. Voilà. Le oiseau, c'est une poule au pot. Bon, allez. Alors, je sais maintenant que tu ne m'as pas traité de petite fiute. Tu n'es pas une petite fiute. Parce que du coup, il disait ça, et après, il y a ça qui sort. Oui, c'est ça. D'accord. Ben oui, oui. Et ben non, parce que, enfin, je ne sais pas, parce que quelqu'un me dit, c'est gonflable. Bah oui, c'est le bruit. C'est gonflable. C'est gonflable, et bien oui, un fut, c'est gonflable. C'est gonflable. Ben ça, c'est plutôt ce qui se passe après ouais, avoir c'est gonflé. Ça. Voilà. C'est ça. Bah, c'est attends, on n'a pas vu ta pizza goût. Ah, oui. Ta pizza goût. Ah, mais j'imagine oui. Que c'est parce que tout le monde a trouvé, pizza c'est goût. Ça bah oui, tout le monde a trouvé. Goût. Oui, oui, tiens, c'est une boîte de nuit. De bon goût. Donc, c'est une pizza. Hein. Alors... Pizza. Mais ah oui, c'est la du bol. Il y a PIZ. Hein, ah oui, PIZ. PIZ, c'est quand même du bol. Que demande le peuple ? 3, 1. Après, 3, j'aurais eu aussi la goût 1, quelque chose sinon. Et 1. Mais non, mais la pizza, c'est pas. La pizza goût. La pizza, c'est dans un bol. Pizza c'est une assiette. Bigou. La bigou. Ouais. C'est une pizza bigou. La pizza bon, la et donc bigou. On joue combien de temps comme ça ? On fait 4 manches. 4 manches, on en est à la deuxième là, c'est ouais. Ça ? Ça va être la troisième. Ça passe vite. J'aime bien inventer des mots qui n'existent pas. C'est vrai. D'ailleurs, c'est les gens qui me lisent sont au courant depuis longtemps. Voilà. Il y a un point pour toi, Adam, ici. Ah, c'était à moi ? Ouais. Fin de keramie, je suis content. Tac, tac, tac. On va prendre un gros tas. Oui, tu voulais. Tac. 6, 7, 8, 9, 10. Je te fais de la monnaie. Oh, c'est juste gentil. Parce que ça permet de récupérer 4, 5, 6. Des 1. Donc, là, ouais, je répète, 3 voyelles, 6 consonnes. Voyelles. Je sais que j'ai 4 voyelles. Consonnes. Ah, super. Et j'ai oublié de donner les thèmes. Oui. Ah, c'est pas grave, on va inventer les mots comme ça. On va inventer les thèmes maintenant. On va même inventer les thèmes. Alors, dans le jeu, il y a des variantes, cartes vierges pour rajouter les thèmes. Alors, mais j'imagine qu'on peut faire une variante, c'est-à-dire montrer ses noms et chacun faire une proposition de ce qu'on imagine que ça pourrait être. Oh la vache. Là, t'as c'est intérêt sûr. À avoir le cerveau lent. C'est ça. Alors, oulala, regardez ce que j'ai là. J'adore mon thème. Si je pouvais avoir vos cartes thèmes, s'il vous plaît. Bien sûr. Je crois qu'il manque la tienne. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ne cherche pas. Le DAC ? Mais c'est un jeu de Ravensburger, ça. Ah non, c'était Dawak. Alexandre, si on pense nous, à toi. C'est ça. Hop, je casse tout. De mots. Des fois, il ne faut pas trop en rajouter, quoi. Mais non, c'est... Des fois, quelques exactement. Lettres, ça suffit. Quelques lettres, parfois, ça suffit. Adam, tu as combien de points pour l'instant, s'il te plaît ? Alors, j'ai 1. J'ai 6 points. 6 points. Tiens, je te donne 5 points. Tu m'en rends 4. Clac. D'accord. C'est mob, ce qu'on attend. On fait la monnaie. Oui. La monnaie. Je m'imprègne un petit peu. Je m'imprègne du jeu. Tu en rends 4 ou 5 ? 5. Oui, c'est bon. Alors. Ok. Nous avons donc le sacrute ou le sacroute. Le sacrute. Voilà, certainement un sac pour lequel te tenir quand éliminé. Tu es en... Moins deux. Voilà. Le Nyx, qui doit être certainement un grand philosophe, je pense. Oui, mais ça fait le skin. Le skin. Tu l'as mis dans le bon sens, là. Hein oui, oui. Nyx, hein. C'est dans votre sens de d'accord. Lecture, pas dans le mien. Ensuite, nous avons le buis, sous lequel tu te fais des bisous. Non, pas du tout. Je pense que c'est la suite du fiu. Et ensuite, nous avons le... Dehaak. Le D-A-A-H-C. C'est ça. Ouais, mais Unlaou. J'ai déjà pointé au D-A-H-C. Ça me fait suer, tu sais. Et là-dedans, nous avons. C'est long en plus. Une montagne italienne. Un synonyme péjoratif de riche. Quelque chose qui désigne, une appellation qui désigne un mauvais prof. Un synonyme de boucan. Ça fait du boucan. Un magazine féminin. Et. Un meuble Ikea. Ikea. Ah, punaise. Alors. Ah, c'est pas mal. Je crois que j'avais... Ah non, mais il y en a deux qui peuvent coller avec toi. Sacré.
Ouais, on va tenter ça ici. Et toi? Je vais tenter ça. Ok. Mmh. Ça, c'était pour JB? Je pense. Alors, eh ben, il y en a deux là, dis donc. Dis donc là, y a mon cerveau qui part dans tous les sens. Hein. Je me demande si ça coule pas un peu par les oreilles. Ah oui, d'accord. Si c'est ça. Oh, on peut tenter ça. Hein. Tiens, Mops, celle-là, elle est pour toi. Ça, c'était pour qui? C'était pour toi, je crois. Non, mais c'est... JB? Ah, c'était pour toi, oui. Ouais. Okay. Et puis, du coup, il me manque... Bah, rien. Si, si. J'ai ah, pas oui. voté pour Adam. Il y a plein de ouais. trucs. Parce qu'elle est, on a joué, en fait, je vous explique, tiens. On a joué hier. On a fait une petite partie en direct, mais qui n'était pas... enregistré. Et il y a des cartes très, très piégeuses. C'est-à-dire qu'il y a des cartes... alors moi, je pense notamment à celle où on trouve personnage de Star Wars. Oui. Et là, tu t'aperçois que tout le monde, ça fonctionne. le Seigneur s'accrute. Ah, Nix, c'est un Nix, c'est son pilote. Oui. Bui, c'est un robot. Un robot, tout à fait. Il y avait Adam qui avait sorti. C'est Bu-U-I-I. Oui, c'est ça. C'est Budeux. C'est Budeux. Budeux. Voilà, c'est ça. Et on a aussi Adam qui a sorti Agix pour un village alsacien. Ça tout à fait. Un village alsacien. Et t'avais un personnage de BD juste à côté. C'est moche, hein. C'est moche qui t'a. Le fils de Panoramix. Bon, mais là, à mon avis, il y a des trucs pour moi, c'était pas clair. Hein. Alors, du coup, tout de suite. Adam. Alors. Présente-nous d'abord. Prononce-le pour voir. Nix. Non, en fait, je sais pas, j'ai pas aucune alors, Nix en allemand, c'est. Je peux me redonner ma carte, s'il te plaît. En parlant de carte, tu as dit que c'était un meuble Ikea. Oui, mais là, comment tu le prononces? C'est plutôt un magazine féminin. Non. Bon, après, sinon, c'est un dessin, un mauvais prof. Tu vois, c'est genre Nix, Nix, mais éprouvé, quoi. C'est un Nix. Tout marche. C'est un Nix. Ou une montagne italienne. Ouais, bien, je me suis inspiré d'un dieu grec et romain qui s'appelait Nix, qui veut dire la nuit. Du coup, oui, c'était une montagne italienne. Ah, bah tu vois, je te l'avais dit. Un mec. Mais moi, j'ai pas du tout dit. On a trouvé l'intellectuel du groupe. Donc, c'est bien de faire le cultiver, mais je lui explique le rapport entre la nuit et une montagne italienne. Bah, c'est un dieu romain. C'est romain et italien. Oh, oh la là non, moi, du tout, du coup, c'est juste le i comme italien, parce que le reste, donc c'est un peu au pif, quoi. Tu vois, je. Pouf! D'accord. Alors, ça se dit comment? Bui! Oui, c'est. Je pense que. Je pense qu'on a bon. Tu fais du boucan, hein. Tu fais du bui! Tu fais trop de bui, quoi! C'est l'évasion du Nord! C'est un maudit! Eh! Eh, Bélote! Tu fais du bui, là! Arrête! Eh ben voilà! Eh ben voilà! Ah voilà! 4, la victoire! Un point. Un point. Adam, tu peux prendre un point aussi. Là, t'en as. Alors, le hack. Alors, apparemment, ce sera un mauvais prof. Oui, moi, j'étais pas au papier sur le D-A-A-H-C. Le D-A-C. Non, ne lui parle pas, c'est un D-A-H-C. Il va pas rester très longtemps, de toute façon. C'est un DAC. C'est un DAC. Et sinon, vous pensiez à un meuble Ikea. Ah, effectivement, oui. Le DAC. Eh, dis donc, t'as pas pris un DAC au dépôt, là, il y en a plus. C'est celui qui va avec le Guy de Bluc, mais oui, filmé au-dessus. Mais oui. C'est D'ailleurs, j'ai vu une promo dessus. Ma culture danoise est assez. C'est danois. Le DAC non, c'est suédois. Suédois. Ouais. La culture suédoise est limitée. Et du coup, tu peux reprendre, Adam, un point de plus. Que la culture romaine, visiblement. Tu m'as donné mes 3 points. Oui. Mes 2 points, pardon. Deux points. Oui. Ok. Non, mais arrête de compter les points, c'est plus. Alors, par contre. On est là pour jouer, on n'est pas là pour s'amuser. Le sac crut. Ah, moi, je pense que c'est. Alors, heureusement qu'il n'y a pas eu de nom d'organe, parce que. Le sac rut. Sac d'un côté, rut de l'autre. Oui. Pour vous trois. Ah, magazine féminin. Pour vous trois, c'est le synonyme péjoratif de riche, alors que c'est forcément un magazine féminin. Oui, mais dit comme mais ça, oui. C'est évident. Sac, rut. Oui, c'est ça. C'est le pire. T'as un sac où tu mets plein de trucs dedans, donc t'es riche. Moi, je pensais plutôt un sale rut, quoi. Non, sac, rut. T'as un sac, c'est un rut. La mode, les hommes, le magazine pour toutes les femmes. Sac, rut. Il manque le petit C. Ben, je pense que tu n'en vendras pas beaucoup. Non. bag rut. Ben, je n'ai rien gagné du tout. Vous êtes nul. C'est pas ton après-midi. Quand tu n'as rien gagné, on est nul. Oui, ah bah c'est ça qui est merveilleux, c'est que les gens ne comprennent pas. Hey, lui, au moins, t'aurais pu dire que c'était un dieu indien de la féminité et tu t'en sortais. Hein. On est bien d'accord. Aïe. On peut faire un point sur les scores.
Alors, je suis à 14. Je suis à 9. C'est comme lui, mais en moins 5. Voilà. Je suis à 11. Bah, s'il a 15, j'ai 16 alors. Non, moi, j'ai pas beaucoup. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'as 12 mobs, ouais. Punaise. Ouais, je suis. C'est anime, de... C'est à qui ça, c'est à toi. Si bon, alors. Si tu veux la monnaie pour mobs. 1, 2, 3. Voyelle. Consonne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consonne. Ah si, j'avais déjà distribué. Ouais, alors, c'est bizarre. Voyons voir. C'est bon, c'est bon. Ou je t'ai oublié, mais à coup le pas. 3, 4, c'est 5, la dernière 5, manche. 6, 1, 2, 3. Ta, 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 ta. Dernière manche. Tu notes bien qu'ils mettent pas des... C'est des 1, 2, 3, 4, 5... 6. On voit bien qu'ils mettent des lettres pourries, hein. Oh, c'est pas super. Et donc, je dois faire deviner quoi? Il y a des bruits qui viennent de la régie. Tu te demandes ce qui se passe. Alors... Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Non, mais ça ne marche pas, ça. Ok. On est bon. Timmy. Je veux bien vos cartes mal, thèmes, ça. S'il vous plaît. Je vais garder ça. Je veux bien vos cartes thèmes. Pardon. Moi aussi, je t'aime. Et est-ce qu'il reste des cartes bleues? Non, c'est bon. Non, on les a tous vendus. Moi, j'ai pas vu, je connais pas le thème. Bah, non. On s'amuse à plusieurs, mais là, pas nous. Mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est la régie qui rigole beaucoup. Il y en a qui savent. Ça, c'est beau, ça. Nous avons donc... Timmy. Moi, Timmy. Un Bunzbunzgoy. Un BWHZ. Alors, tu sais que tu n'as pas de bonus si tu joues toutes tes lettres. Beaucoup de triples. Un Bzunjoui. Un Faso. Faso et un Migou. Alors ça, écoute... Ah, ça existe, ça, normalement. Ça existe, normalement. C'est quoi, le Migou? Un Migou, c'est l'autre nom du Yeti. Tu sais pas ce que c'est qu'un Migou. Ah, c'est l'autre nom du Tintin. Tu as pas lu Tintin? Le ah Migou. Oui, avec Chang. Avec Chang qui s'écrase. Ben voilà. Je suis désolé, moi, dans mon thème, ça fait du sens. Et ça pourrait être un nom gaulois, un synonyme de n'importe quoi. Ah bah d'accord. Une injure italienne. Un synonyme de diarrhée. Un nom du singe préféré de Tarzan. Ou un légume. Non mais c'est comment. Là t'as fait Timmy. Timmy. Ou Timmy. Timmy. Ok. Ouais. Alors, si toi, ça peut être pas mal de bah choses. Si, ouais, non, ben moi, oui. Moi, j'ai confiance. Ah, voilà, déjà, toi, Adam. Mops, je pense que c'est plutôt évident. Ah bon? Ouais. Si tu le prononces de la bonne façon, je pense alors, que c'est évident. Essaye de. Si on prononce de la bonne façon. De bonne façon. De la bonne façon. Alors oui, je m'étais posé une question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de regarder, ça c'était une question très intelligente du Dr Mops d'hier. Est-ce qu'on a le droit de regarder les autres lettres? Donc non, théoriquement. Mais rien n'interdit. Mais ça peut aider. Par exemple, là, je vois, est-ce que tu as fait. Par exemple, je me dis, ah, est-ce que c'est un nom gaulois? Ah, si tu avais eu un X et que tu ne l'aurais pas eu, je fais, ah, non, il aurait été un nom gaulois. Exact. Il aurait mis Team X. Voilà. Je comprends. Donc, sinon, c'est un nom gaulois ou pas? Je pense que c'est ça. Alors. Clac. Ouais, bon, écoutez, là, je ne sais pas. Toi, tu me perturbes avec ta non-connaissance de RG. Ça fait bien 20 ans que je ne l'ai pas lu. Et du coup, je te donnerais bien ça. Ah, il m'en manque une? Oui, moi, je n'ai pas donné parce que j'en ai aucune. Aïe, aïe, aïe. Ça m'embête. Je ne dirais pas ça. Mais globalement, tu vois, là, il y a encore une carte piège. Moi, tout ce que vous avez mis ferait un très bon synonyme de diarrhée pour moi. Le migou. Mais, oula, j'ai le migou. Voilà. Là, j'ai un peu le timide. Hein, j'ai un peu le timide. Ça marche, hein. Oui, ça marche. Ça fonctionne. Alors, par contre, j'ai le vent. Oui, non seulement tu as... Attends, si tu dis pousse-toi, j'ai le mot que font prendre. Tu as le haut et le bas de prix, quoi. C'est ça. Le temps que tu comprennes le mot, la catastrophe est déjà arrivée. Bon.
Alors. Bob, t'as pas. Ah si, t'as donné. Et pique-nique douille, c'est toi, l'ondouille. Ah oui, tu fais vraiment par. Ah ouais. Oh, vous purée, êtes mais pas à chaque fois, c'est sur moi que ça tombe. C'est toujours sur toi. Et après, il va te sortir une légende étrusque pour expliquer. T'as la lettre jaune, t'as le vote jaune juste là. Ok. Okay. Allez, bon, Mops, c'est moi qui commence. Alors. Le faso. Le faso. Eh, faso. Le faso, c'est une. Un jeu italien. Mais oui. Faso. 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 C'est faso. 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 C'est un italien qui a un cheveu. Oui, faso. 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 Et oui, c'est une insulte. Bah, yes. Oui. Allez. Évident. Et de trois. C'est faso. Oui, j'ai 10 points. Ok. Le migou. Non, j'ai pris. Alors, le migou. J'en avais aucune. Moi, j'ai hésité. Hein. Ça, parce que j'aime bien comme légume. Avec ce j'aime que j'aime. Bien comme singe. Ouais. Diarrhée, bon. Non. Non, j'y crois pas. Non gaulois. C'est vraiment mauvais. Un migou, gaulois par défaut. Par défaut, légumes. Ouais. Légumes. Ouais. Légumes. 4 légumes. Et en fait, le migou, ouais. C'est un légume qui n'a pas beaucoup de goût. Avec un moitié donc, c'est quand même bien un légume. C'est bien un légume. C'est quand même bien un légume. Finalement, hein, les esprits se rencontrent. Alors, des fois, ils se rencontrent par le haut, puis là, ils se rencontrent par le bas. C'est ça. On n'est pas encore la diarrhée. Hein. Alors, Timmy. Timmy. Vous, ceux qui ne le savent pas, hein, pour le célèbre roman, c'est effectivement la petite sœur de Cheetah. Et avant que Jane n'arrive, c'était donc le singe préféré de Tarzan, Timmy. 5-5-5. Ah. Le singe préféré de Tarzan, c'est Timmy. Umgawa, Timmy. Ouais. Umgawa, Timmy. Attends, tiens, bouge pas. Je donne 2 et je prends 3. Ok. Voilà. Mops. Tu peux me passer 5 et 1 ou... Hop, trop tard. Je t'ai pris un tout seul. Et donc, on se fait la dernière. Non, c'était la dernière, ah, c'était mais la on n'a pas encore non, fait le bounce joyeux. Ça va trop... Ah oui, pardon. Ça va trop vite. Oui, ça me paraît évident. Plein de évident. Sans certains. C'est un snail n'importe quoi. Oui. C'est un grand blanc d'un joueur. C'est un vrai blanc d'un joueur. Je dis que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui. C'était vraiment c'est clairement n'importe quoi. C'est totalement bon joueur. C'est bien vu. C'est bien vu. 13, donc, 16, 17. Attends, pourquoi 16, on a passé un 3 20. Je sais pas. Parce qu'on est 3 avant. On est 3 avant trouver. Ah ok. J'ai pas beaucoup progressé. Ah si, il y en a d'autres là. Donc ça te fait combien 20. Oh purée, ça m'énerve. Ça fait 15. Yes. 18, 17, c'est oh. Alors vas-y, 20, 18, 18 16, 15. Ouais. Oui, bah oui, c'est tendu, hein. Non, mais je suis non pas t'es premier. À 17. 17, oui, mais bon, il y a 18. Voilà, 18 quand même. Voilà, c'est tout, je ne peux pas le savoir. C'est bon, voilà. Grave. Donc ça, explique-nous, ça sort quand? Ça sort normalement en septembre, ça sera aux alentours d'une vingtaine d'euros, 21, 22. D'accord. Crazy Worlds. Crazy Worlds. Crazy Worlds, ouais. C'est dans les Funny Games là. Ce sera dans les Funny Games, effectivement. Dans la collection. Donc c'est pas trop cher. Donc c'est bien débile comme j'aime. Voilà. En création littéraire. Juste pour se faire plaisir. Et ça littéraire. Oui, mais en fait, et gagner des points scrabble. On se rend pas compte, mais Ravensburger a un département avec la faculté de d'Oulipo. Oui. Et ils ont et Jean-Baptiste travaille à la branche surréaliste de Ravensburger. Et c'est quand même bien. Oui, c'est ça. Alors, bon, évidemment, c'est un petit peu plus gauchiste que le reste de la boîte, hein, mais... Mais ils ont au moins cette grande faculté, l'Ulliput, et ça, on ne peut pas leur reprocher. L'Ulliput. 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 On ne peut pas leur reprocher. C'est... Non, non, mais c'est vrai. Écoute, Jean-Baptiste, hein, avec tout ça, tu vas revenir nous voir la prochaine fois. Bon, en tout cas, merci de nous avoir présenté en avant-première. Je rappelle le nom des auteurs, on ne les connaît pas bien ici, hein, Bowman, Endoven. Je crois que c'est leur premier jeu. C'est leur premier jeu, ouais. Alors, pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Parce que voilà, on est dans la grande famille des jeux à devinettes qui a été initiée par Monsieur Dixit essentiellement. Et puis là, ben, on se retrouve avec des lettres. Et souvent, depuis toutes ces années de suprématie du Scrabble, quand on sort un jeu de lettres, j'en fais « Ah non, 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 non !» Ça pique les yeux et la tête. Ou alors, il faut écrire en texto parce que sinon, c'est trop compliqué. Et là, tu écris comme tu veux et on rigole en plus. Donc, en plus. Donc, on valide. On valide. Allez, on se retrouve pour une prochaine Trick Track TV et puis on parlera de Brazowick. Ah bon? Ou pas? Allez, ciao.